Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Empire 2 Total War, toujours avec les états pontificaux. Donc, la dernière fois on avait stabilisé un peu tout ce bazar. Je peux faire un peu de commerce, parce que niveau pognon, je suis. Et mon problème de province, déjà pour les objectifs, ça c'est pas grave, jusqu'en j'ai encore un siècle pour les faire, donc j'ai le temps. Mais niveau pognon, gouvernement ici. Un peu d'argent, 2900. Parce que j'ai détruit les barbares qui pourrissaient mes ports. Faut que je finisse ce nid de pirates. Alors, également en termes de. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire du commerce? Il y a l'Écosse. Attends, mec. T'es pauvre? T'es en guerre contre l'Angleterre et tu veux pas en plus de thunes? Mais t'es con ou je sais pas comment en fait. Bah, Portugal va te faire voir aussi, hein. Pas vide. Bah, écoutez, le jour où vous décidez à faire du business, si vous allez me contacter, bande de sauvages, je vous préviendrai. Donc ici, j'ai un flotte ici qu'il faut que j'envoie débarquer sur Tunis. On va faire le siège, on va prendre notre temps. Une fois que j'aurai pris Tunis, je m'occuperai de Tripoli. C'est quoi la Géorgie? Mais qu'est-ce que la Géorgie vient foutre là? La Géorgie, c'est un miracle que le pays soit pas encore fait bouffer. Ah, l'Ottoman? Non! L'Ottoman? Sérieusement? Mais c'est génial! Le jour où je voudrais déclencher la guerre contre l'Ottoman, j'aurais pas besoin de déclarer la guerre à l'Autriche. Reprendre Vienne. Oh, mais c'est génial. Une fois que j'aurai fini ces connards-là, je m'occuperai de l'Ottoman, je pense. Les Ottomans à Vienne. Surprenant. Oh, pire, moi, que le pape, ce que je ferais, c'est que je récupérerais l'Égypte puis Jérusalem. Hein. Eh, le pape à Jérusalem! Franchement, il y a un symbole, hein. Alors, ils vont faire une sortie? Ils font une sortie sans leur gun! C'est con ça. Sortie sans leur gun, ça veut dire que je vais user leur armée. Et au prochain tour, je prends leur ville. Une sortie sans canon, mais quel plaisir! L'IA est conne à ce point-là. Alors, on va voir la position. Oh, terrain montagneux, j'aime ça. Et une colline au milieu. La question, c'est par où l'ennemi va-t-il arriver? Il va arriver en face, c'est évident. Alors, le terrain est pas à mon avantage du tout. L'époque Tunis était aussi vallonné. Mais bon, c'est quoi? En plus, c'est bien pourri comme terrain là. Alors, ici. Je vais placer mes canons ici pour avoir au moins une zone à peu près dégagée. Je vais mettre des piquets pour tenir les canons.
et l'Emlis. Pas général si. Elle tirait pas mon avantage. Bon, bah, c'est pas grave. Ok, l'ennemi arrive par là-bas. Donc on va déployer les canons comme ceci. On va les fusiliers ici. Albardier ici. Autre albardier là sur le flanc. Ligne d'infanterie gentiment avancée par là. L'ennemi ici va galérer s'il veut sortir. Oula. Accélère tout. Le but c'est de prendre l'ennemi en tenaille en utilisant cette putain de colline là à parfaite pour pouvoir le placer correctement. En plus c'est ce gros son la montagne, l'ennemi va devoir contrôler la montagne pour venir me chercher. Hein, que l'ennemi veut contourner comme ceci, qu'il envoie tous ses troupes par là. J'aurais pu essayer de prendre la zone là, mais bon, c'est un peu trop tard, j'ai l'impression. On va laisser l'ennemi descendre. L'ennemi descend de ces collines là-haut. J'ai pas bien exploité le terrain, j'ai l'impression. Non, j'ai pas trop exploité. J'aurais pu essayer de prendre la colline là, mais ça aurait été risqué. Je savais pas où l'ennemi allait arriver. Quand j'ai vu arriver vers le fond, je me suis dit qu'il va peut-être la prendre d'abord. D'abattre le général. Try. Accrochez-moi ces cons là. Ils ont brisé. Accrochez-les. Ne laissez pas s'enfuir. Et voilà, fracassé. Le général est mort. Ahmad al-Mukhtar. Allez, Mukhtar, c'est fini. Le scooter Mukhtar l'avait volé. On va attendre. Il n'y a qu'à faire ça. Le but c'est que de toute façon l'ennemi... être méga là comme ça au cas où hein. Donc pas trop con.
va attendre. L'ennemi soit à portée. Tant que l'ennemi n'a pas atteint cet endroit-là, il est à couvert. C'est bon, je veux des licornes ou des unités un petit peu plus. Dès que ces cons-là ont fui, j'ai placé le canon là. Je refais une nouvelle ligne. Hésitant. Oh, les pauvres. Confiant? On peut être très longtemps, vous allez voir. Allez. On va déplacer les canons pour les mettre ici. Broken. Les cavaliers, revenez là par contre. On va déployer les canons gentiment. Voilà. Une belle ligne du combattant. Mitraille. La mitraille à la canaille. La mitraille pour la canaille. On va se redéployer. Ah, on va essayer d'abattre cela. C'est Corsair Barbaresque, et là c'est quoi? C'est les mousquetaires africains. Une mitraille, s'il vous plaît. Ah, salve. Allez, ces cons-là de corsaires qui vont m'attaquer sur le flanc. Comment va ces cons-là? Mieux, ceux qui sont là-haut. Là, on les massacre. Oh, ça dégage déjà. Là, c'est broken. Je vois que ça shattered. Shattered, c'est bon. Et là, je vais charger ceux-là. Ils sont tout seuls, éloignés du reste de l'armée. Si je les dégage, ils se reformeront pas. Voilà, la broken. Ah, ils sont couchés au sol, le mec. Pas mal. On recule par là. Dans la masse là.
Là, en termes de puissance de feu, largement au-dessus. Mes canons continuent à tirer dans la masse. Je dois tirer là-dedans, là. Voilà. Oh, il tombe vite, hein. Et des routes. Alors, moral tient pas beaucoup, hein. Je vais tirer là-dedans. Au moins, essayer de faire dégager une bonne fois pour toutes. La mitraille qui sauce là. Ouf, qui tombe dans le dos là. J'ai vu les explosions, les gerbes de sang là-haut. Oh voilà. Farak machin. Faruk Choua. Maintenant, c'est combien de temps ils vont tenir dans leur général. Après, c'est probablement pas longtemps. Là, c'est les épéistes. On va préparer à les accueillir comme il se doit. On se dégage. Là, j'étais gêné par mes propres mecs. Fais suer. Dégager ces archers berbères là. Les mousquetaires là-haut, on va essayer de leur tirer dessus. Il y a tellement de gars qui dégagent en même temps, c'est le bordel. C'est illisible. Et ils tirent, est-ce qu'ils tirent sur leurs potes ou est-ce qu'ils tirent sur mes gars, je sais pas. Ouais, vous faites chier vous là, les archers berbères là-haut. Et ceux-là sont, sont bloqués par la masse qui trucide. Hésitant, ouais. J'essaye déjà, là. Ouais. Quand c'est qu'ils sont que Wolverine. Ils Oh là derrière les gars, hein. Faut tous éliminer. Allez, on accélère, on termine tout ça. Les poursuites, et là, vous me poursuivez tout ce que vous pouvez. Les gars ont lâché, génial, bon, débile. Soit tout ça. Poursuivez les autres cons! Je veux pas qu'ils en reviennent. Bon, là, c'est foutu pour les rattraper, ceux-là, ils vont être sortis. C'est quoi pour les choper ces glands là? Ils sont juste là. C'est raid, ouais. Et mon général, il continue d'assassiner tout ça. Détruisez le genre le plus possible. Broken, seulement 100. Il y en a 80 qui sont sortis.
Et on choper sur le passage là. Le truc 4-5. Grâce du connard, c'est bon. Bon! Avec 200 hommes, j'ai payé 10% de mon armée. Oh, ils vont me faire suer. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah, on a obtenu le dictionnaire de traduction. Mort suspicieuse. Un général, évidemment. Ok, un peu plus général. Ils me mettent au Maroc, ils vont me faire chier, c'est con. Ils ont saccagé l'école religieuse, putain, mais c'est bien les Arabes, ça. Hein. J'ai trouvé la culture. L'heure de culture, est bon, on prend pas. Bon, moi ici. Je massacre. 24 connards là, ils auraient dû normalement ne pas être encore en état de partir. Moi, je m'occupe de la Tripolitaine dès que je pourrai. Tunis, moins 13, ah oui. Ça sent pas le tour, hein, le temps de réparer tout ça. Et l'Autriche, ouille. L'Autriche, elle fait la gueule là. Hein. Ah, bon, est-ce qu'il y a un problème encore pour les aider ou pas? Ouais, tu peux. L'Autriche, t'es en guerre avec qui? En guerre avec Prusse. Ottoman, Pologne. Mais fais la paix avec la Prusse, fais la paix avec la Pologne, mon gars. La Pologne, je suis désolé, la Pologne. Ouh, Vilnius, Horus. Moi, c'est que Vilnius n'est pas encore Horus. Alors, on va voir la suite. Bien, alors, un rake a été recruté, super. Les agents que j'utilise pas tellement, ça je veux voir ce qui se passe. Ah, vient été récupéré. C'est un avantage et également un inconvénient, mais bon. Lettre de demande à Tunis, émeute à Tunis. Bougez pas les gars. On est déjà passé avec une marché en général. Le problème c'est qu'ils sont déjà... Ils étaient déjà en neutre, c'est glandu. Grâce à mes dictionnaires, on a l'avantage de pouvoir, comment dire, favoriser la... qu'est-ce que je veux dire? Grâce aux dictionnaires, on a l'avantage de pouvoir favoriser la culture, voilà. Il manque quoi? Canister shot et horse artillerie. Hors artillerie. J'ai pas d'amirauté. Bon, en même temps, les batailles, c'est pas trop. C'est pas trop que je vais utiliser. Hein. Hors artillerie, c'est où? Hors artillerie. Ici.
Je vois, mais les gentils en cause sont spécialisés, c'est glandu. Industrie. C'est bon pour l'industrie, bah tu vas continuer à chercher l'industrie. La Spezia. Vers le salon et femme provocatrice, donc. La Spezia et Bologne, vous allez chercher le militaire. Chambéry l'industrie. Les routes sont pas terribles, mais bon, il y a pire. Ma marine! Ah oui, tant que le port est détruit, ils vont pas être réparés les bateaux. Enfin bon, réparés entre guillemets. Hein. L'Écosse est toujours indépendante. Pour combien de temps, je ne sais pas. Alors, ma navy, je disais donc, réparer les bateaux, ça coûte 31, il n'y a qu'un seul à réparer, c'est le petit là, le sloop. Je quitte Tunis, l'autorité, ça va, c'est juste, mais... Casserine, donc... Et ça, non, je sais pas combien de tours, 63 tours, c'est énorme. Panier à pied, est-ce qu'on n'a pas des bâtiments qu'on peut améliorer? Les meilleures troupes là tranquillement. Ah ouais. On va prendre le temps. Ça va avoir une armée en Europe, une armée en Afrique. J'étais juste au Caire et à Jérusalem un jour, hein, je sais pas, on verra bien. Je sais ce qui se passe à Vienne et autour là. La Croatie tombe aux mains des Turcs là, les. Les Autrichiens, ils sont dans la sauce, hein, je veux dire, s'ils ont récupéré Vienne, c'est probablement plus à cause des rébellions qu'autre chose. Agent exécuté. Eh ben, pas mentir. C'était un agent ennemi, on a eu la chance de le choper. Mort suspecte. Encore un général mort, mais un suspect. Mais c'est encore à cause des Arabes, là. Comment est-ce que j'ai pas le général à cause de ces connards? Rodolfo Grau. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller en Tunisie. Bah oui, il est mort, il a pas gagné de votre aide, hein, le pauvre gars. Doit dire que les bonhommes en peau d'ours, oui. L'Espagne est toujours Gibraltar, très bien les gars. Ils sont des potes avec l'Espagne, ce qui me fait chier parce que j'ai trop peur à ce que l'Espagne possède et que je veux. Bonjour, faut que j'éclaire la guerre à l'Espagne que je la trahisse. Et ce jour n'est pas arrivé. Un tour, on va pouvoir attaquer Tripoli. On aura fini avec les pirates barbaresques qui nous ont trop longtemps pourri la vie.
Es-tu bloqué? Par qui? À cause de le siège, hein, de CSDP. De toute façon, on peut prendre le temps. Le temps, j'en ai plein. Hein. Le temps de faire de l'armée, le temps de redévelopper l'économie, le temps de développer les technologies, franchement. Nous ne pressons pas, les gens. Et la basic steam pump, elle est ici. On va le trouver ce symbole. Dans le militaire quand même. Et en plus elle est là la basic steam pump. Ah mais il me faut ben, j'ai pas le pognon, c'est ça. Voilà, c'est parce qu'il faut autre chose que la basic steam pump. Il faut probablement ça à la spinning mule. On va essayer de voir au prochain tour. J'ai l'impression qu'il y a quand même des problèmes de bugs dans les arrêts tech. Hein. Alors, baston, on s'est fait et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Alors, le terrain, plutôt plat. Ah, j'ai une colline ici pour mettre des canons. Évidemment, profitez de la colline pour mettre des canons, évidemment. Je vous en doute très bien, les gens. Je vais garder les piquets autant que ça sert à quelque chose. Les unités ont de moins en moins de valeur, hein, pour être honnête. Les régiments à pied. Vont avancer. La milice va rester avec les hallebardiers. Le général va rester en arrière-plan, hein, commandé. Milice, c'est pas vrai. L'armée, c'est vraiment une armée de début de jeu, c'est pas une armée de late game, hein, franchement. En late, je vois pas comment est-ce qu'elle tiendra cette armée, hein. Elle tiendra pas de toute façon. Tirer dans les baraques, c'est génial. Mortier de 8 pouces, est-ce qu'ils peuvent nous atteindre les gars? Heureusement qu'ils tirent, c'est con. Hein. Mais tant mieux s'ils tirent pas. Vous allez faire un tir groupé ici. S'ils pouvaient juste
Le couper là quand la rafale est part. Beau. Allez, souple, les gars. Allez, petite rafale, s'il vous plaît. Pas plaisir. Ah. Ils n'ont pas la portée, c'est pour ça qu'ils abandonnent leur mortier et qu'ils vont charger comme des teubés. Ils vont envoyer leur serveur d'artillerie au casse-pipe comme des débiles. Le dis est con sur ce point. Ah. Oh oh. Ils ont réussi à ne toucher aucun gars. Mais t'as fait pourri, les mecs. On va descendre, j'avance aussi. Accélère un peu. C'est le servant de mortier. Les canons, on va laisser tirer un petit peu dans le tas. Ils ont rien touché. Encore une fois. Franchement, c'est un carnage. On les croque, on les dévore. Voilà. Ah, c'est quand ça a bougé. Il faut rater encore vos cibles, on est dégénéré. Oh, vous avez appris à tirer, bande de mou, mais à ce point-là, c'est bien grave. Par contre, l'infanterie, faut peut-être vous grouiller de vous mettre en place, là, les gars. T'es pas sur ces gens là-bas. Là ici, le centre, on va le laisser accroché par ma ligne. Et j'essaie d'utiliser mes canons pour abattre ce qui arrive sur les flancs. Ouais, ils ont pas eu 20 mecs chacun. Non, 10 mecs juste ici. Voilà! Le boulot est passé au-dessus. Magnifique. Les mousquetaires qui tirent. Ces épéistes. Les épéistes arrivent au cac. Ronde de Dock, une charge de cavalerie.
Il y a tous ces gros bœufs, ils rentrent dans le tas, on va rentrer dans le tas aussi dans le dos. Des routes? Des routes, on rentre dans le dos des autres. Faut que je fasse craquer assez vite. Avant, faut qu'il craque avant que je craque, moi. Alors, faut taper dedans, faut taper dedans là. La cavalerie, faut taper dans la masse là. Restez là, refaites une ligne. Refaites une ligne pour shooter ces connards. Et là, la cavalerie, encerclez-moi tout ça. La cavalerie, faut pas que vous barriez, la cavalerie, au contraire, faut que vous soyez là pour fermer la masse. Un tueur général, oh oui. Voilà, ça déroute bien. Là, je suis berbère là par contre. Tu vois le général, faut tuer le général. Ou Jadin là, on va pas laisser surprendre. Le général est mort, parfait. Faut tuer la masse, faut qu'on tue, qu'on détruit cette masse là. Les gars des routes, il faut qu'ils soient Shattered. Alors, traînez pas, restez pas là, restez pas au cac. Allez poursuivre les autres. Et quand Shattered ceux-là, allez. Au bout de cela, quand ça se reprend. Allez, faut se replier, faut s'occuper des autres là, faut pas qu'ils se reprennent. Voilà, c'est bon, c'est détruit. Détruisons tout ça là. Shattered. Et c'est l'autre qui est broken, mais pas Shattered. Ça là-bas. C'est Shattered ça aussi, ouais. Là c'est que broken. Là sont broken, pas Shattered. Ici. Il y a plein qui s'enfuient là. Vous n'avez pas les poursuivre ceux-là. Broken, broken. Allez, vite ceux-là. Là-dedans, là, vite. Ah, c'est marrant, en fait, pour tout ça, là. Voilà, là-dedans dans le tas, là. Aegis, là. C'est fini. Victoire héroïque. Là, franchement, c'était une belle poursuite. Là, c'était un bel encerclement. Là, franchement, mon encerclement est un succès total. Franchement, la masse qui a dérouté et a tenté vraiment de me faire craquer sous la pression de sa masse, hein.
237 pertes, 2400 pour eux. Franchement, on voit pas ce qui peut résister à ça. Technologie avancée, voilà. J'ai 3000. Est-ce que j'ai 3000 de pognon? Ok, c'est bon. C'est juste que j'ai la bonne tech, c'est bon. De pognon pour racheter ça. J'ai détruit les barbaresques et j'ai capturé la Tripolitaine. Voilà, c'est bon. On est débarrassé de la piraterie au Maghreb. Pour l'instant, je pense que je m'occuperai des chevets de Saint-Jean. On a une bonne flotte. Le paix ottoman est amical pour l'instant, tant mieux. L'Autriche me déteste. Elle est hostile envers moi. Pourquoi est-ce qu'elle est hostile, cette connasse? Beaucoup d'alliés, hein. Venise est amicale, mais alliée est juste l'Autriche. Donc si je fais une campagne contre l'Autriche, enfin contre Venise, je peux me taper l'Autriche. Intéressant. On va voir ça dans quelques années, hein, le temps de se refaire un petit peu, quelques troupes, quelques armées. Va voir comment l'attitude de l'Empire ottoman va évoluer. Alors je suis frontalier avec eux. Et j'ai détruit leur vassal. Lettre de demande Tripolitaine, évidemment ils sont pas contents. Ouais, bah, l'intervention en notre Venise va pas être tout de suite, je pense, hein. Est-ce que j'ai besoin de Malte dans ma pour mes objectifs? Oui, il me faut Malte. Alors, technologie et agrégation avancée, c'est où ça? Ici. Ah, il faut que j'ai au moins des clearance. Il y aura une nouvelle. Il faudra un bâtiment de recherche en plus. Les Venises me sont tout indiqués, hein, évidemment. Bon, ça va attendre quelques tours, le temps de se refaire. Et moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde, bye bye!